Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon appétit et bienvenue de retour sur The Binding of Isaac. Et on m'a demandé de faire le challenge 9. Il y a Roxane qui a payé 2000 poils de barbe. Ah bah vas-y. Isaac was good today. Donc on l'avait déjà tenté une fois celui-là, j'étais mort comme un con. Donc on commence avec le calice, le corlis et le halo. Le calice qui nous permet de voler et nous donne un cœur supplémentaire. Le halo qui nous fait un boost de stats général et un cœur supplémentaire. Ce qui fait qu'on commence avec 5 cœurs. Bon, avec un en moins, mais c'est pas grave. Avec 25 pièces. Et c'est le nice. Ah, d'accord. Cool. Ah bah le code avec le fion, je connais. Non, mais halo, quoi. Ok. Alors, est-ce que je vais vous en parler, tiens? Allez, vas-y, je vais vous en parler. Comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Attention, j'en parle, je ne citerai pas de nom, je ne ferai rien de plus, comme ça, machin. Je veux juste avoir votre... Attendez, je vous en parle après cet écran, là. Ok, super. Aïe. Ok, c'est bon. J'ai été approché par une boîte de vente de jeux vidéo pour du sponsoring. Alors attention, vous vous doutez bien, vous me connaissez, hein. Enfin, vraiment, ils ont dit ça, moi j'ai posé 20 000 questions, et j'ai été très réticent. En mode, t'es qui, pourquoi, comment, t'as demandé ça à qui? Oh la bite! Merde, j'ai pas su différencier la simple de la double. Ah oui, d'accord, alors dès que je les tue, il en fait... Oh putain, il fait pas de... Oh là là. J'aurais bien acheté des trucs au shop. Arrête. Ok, il faut que je reste là. Là, j'ai le mode... Non, d'accord, ok, je suis pas obligé de tous les tuer pour qu'il leur fasse popper. Ok. Donc là, à la limite, je peux me concentrer sur elle. Ok, c'est bon. Donc, je disais... Oh yes. J'ai été acheté. Vas-y, vous voyez comme quoi. J'ai été... Victor est parlé sur Discord, mais je sais pas ce qui c'est. Voilà. Bah, c'est ça. Bon, gardez le nom pour vous. Parce que je sais que je l'ai acheté sur Discord. Ne le dites pas sur YouTube, parce que je ne sais pas encore ce qui va se passer. Et j'ai pas envie de flouter... me faire chier à faire du montage pour flouter le chat. Alors, il se trouve que c'est une boîte d'achat-revente de jeux d'occasion qui m'avait l'air quoi. Et alors, c'est ça que justement je vous ai posé la question. Est-ce que vous la connaissez, vous? Déjà, parce que je voulais voir si c'était une arnaque ou pas, mais j'ai fait mes petites recherches de mon côté, ça a pas l'air. Et ça a l'air d'être une boîte complètement nouvelle, complètement jeune, tout ça machin, qui n'a pas l'air encore corrompue. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Et après je me suis dit, ah, c'est quoi vos conditions? Qu'est-ce qui se passe, ce machin? Ils m'ont dit, attention, c'est pas du sponsoring du genre, tu vas mettre un lien sur ta chaîne, ce machin. Non, on va créer une chaîne et on va faire participer plein de streamers. Et les streamers vont faire une petite émission, X heures par semaine, sur notre chaîne Twitch. Et c'est gratuit, comme ça, ça vous fait connaître vous, et ça nous fait connaître nous. Genre, c'est le live. Je sais pas ce que c'est que le live. Donc, partant de là, je me suis dit, ah, bon déjà, c'est pas quelque chose qui va impacter ma chaîne à moi. Et c'est quelque chose, et justement, je me posais des questions en ce moment sur comment faire pour faire connaître ma chaîne un petit peu autour de moi, etc. Parmi du genre. Et je me suis dit que du coup, c'est pas une si mauvaise idée. Puisque ça ne m'engage à rien, c'est juste quelques heures par semaine, sur pas forcément les mêmes horaires que je fais avec vous. Un échec de streaming de Webedia. Ah oui, non mais Webedia quoi. Ah oui, le live, ah oui, je m'en souviens de ça. Oui, non mais Webedia. Oui, mais sauf que Webedia, tu vois, j'aurais dit non. Parce que je connais Webedia, et je sais ce qu'ils font à côté. Donc voilà, là c'est... En plus j'ai regardé ce qu'ils font du coup, ce qu'ils font comme achat-revente.
C'est une achat-revente qui est très raisonnable. Ils prennent un pourcentage qui est relativement faible. Donc c'est une nouvelle, un début d'idée, quoi. C'est un début de truc. Et c'est spécialisé en rétro gaming. Je me dis, ah bah tiens, ça tombe bien. Donc bah, ils répondaient quand même un petit peu à beaucoup de choses de ma part. Pour l'instant, aucun truc à payer, rien à faire, voilà, etc. Donc, voilà, j'ai dit, d'accord, ok. Mais je veux quand même vous demander à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouvais que c'était un bon moyen, que c'est, ça enfreignait pas trop mes codes moraux, mes Jeanne Moreau. Et je me suis dit, pourquoi pas? Ça pourrait faire de la pub. Éthiquement parlant, acceptable. Ok. Ah! Oh tiens, j'ai fait le bruit à sa place. Ah! Attention. Attention. Ok. Attention à ne pas être trop en diagonale avec lui. Ah oui, mais c'est vrai, du coup, que j'ai pas de salle de... Ah bah tiens, de Star, ça va mener où? Ah bah tiens, ça va me TP. Bah on va sortir de là sans perdre de points de vie. Hop. Ah! Oh bah cool! Ouais, cool, mais peut-être pas en fait. Si, je vais le bomber. Merde. J'espérais une clé. Non, la clé, je vais aller au shop. On va voir ce qu'il me propose. Putain, j'ai 3 coffres à clé. Hein. S'il me propose une clé, je prends. Hein. Je prends. Hein. y a une bombe, il y a une carte. Je vais prendre juste la bombe. Et je vais ouvrir un coffre. Alors, comment ça se passait? Oh, la bite. Ça m'a même pas remboursé ma clé, putain. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bonjour, bonjour qui? Gemini. Ah, merde. Eternal Gemini. Putain, mais ils sont tous en... Ils sont tous en Eternal, les boss, ou quoi? Maintenant. J'ai l'impression qu'ils le sont tous, maintenant. Bah, il va lâcher les 2 autres petits, là, ça va être chiant. Voilà, là, ça va être chiant. Il va bien falloir les coincer. Ok. Ah bah, visiblement, ce que je vous ai annoncé, ça vous laisse de marbre. Hein. Je sais pas si vous en avez... En fait, du coup, je sais pas si vous avez pas écouté, si vous êtes parti, ou si vous en avez rien à foutre. Ou si vous n'avez pas d'idée. Yes, yes. Oh! Merde. J'ai écouté, mais je sais pas. D'accord. Alors ça, oui. Même si j'ai pas beaucoup de clés. Ah, pizza. D'accord, ok. Putain, j'ai 6 cœurs quand même. Donc j'en perdrai 3 dans l'opération. Ok, go. Pour ma part, je ne crois pas trop en la pub pour le moment, donc je crains d'être partiel. D'accord, j'ai un cœur blanc quand même. Comment ça, tu crois pas trop en la pub? Bah là, pour le coup, c'est simple parce que je serai pas tout seul, hein, attention. Visiblement, on va être une dizaine d'autres. Donc, ça veut dire que les autres vont regarder chez les autres, etc. Donc, quand je parle de pub, c'est une pub pour eux. Parce que techniquement, c'est plus une pub pour moi. La pub pour eux, on s'en fout, ça les impacte pas, on voit si c'est un bon site ou pas. Mais je veux dire, pour les streamers, c'est une bonne idée, parce que ça me permettra de faire partir un groupe, et donc de ramasser des gens. Et quand je parlais d'éthique, je parlais de la pub à eux, tant que ça fait chier. Mais je dirais que tant que ça se fait pas sur ta chaîne, c'est vraiment à toi de voir, d'accord? Tout le monde veut devenir un chat. Je pense pas... Je pense que ça peut être une bonne chose. Il y aurait un contrat. J'ai demandé. Apparemment, non. Il n'y aurait pas de contrat. En tout cas... s'il y en a un, il sera léger.
parce que il y aura pas, ce sera pas contrat d'exclusivité, ce sera pas comme ça, sauf peut-être pour les vidéos, pour les streams qui seront faits sur place. Mais en tout cas, il n'y a pas de question d'argent. Il n'y a aucun argent qui ne sera dépensé ni par eux ni par nous. Sur ces 99 en 3 jours, seulement 14 scans. Et pourtant, demain, je vais quand même à Luxembourg en placer plein là-bas, sûrement en 20 aussi. Alors ça, Seb Lucas, il y a pub et pub. Si tu veux mon avis, en tant que ex-directeur de publication et ayant fait partie de la communication d'une certaine, d'une autre boîte, je te dirais que le QR code, c'est une très mauvaise idée. Mais t'as pris ta décision tout seul, c'est pour ça qu'il y a pub et pub. Il y a différentes formes de publicité. Je vais voir ce que c'est ça. Yes, un cœur bleu. Tac. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de clés. Je vais tenter. Oh la bite, bah, ça c'est l'effet queue de chat, ça. C'est l'effet de la queue de guppy, ça. Il fait popper plein de coffres. Des coffres classiques comme des coffres à clés. Des coffres à clés, c'est relou parce que j'ai pas de clés. Putain, il faudrait que je trouve la salle cachée qui me donne la 99 clé, la clé squelette. Ça serait le beau jeu. Ok, ça meurt. Ah! Tu dis ça, d'autres me disent le contraire. Mettez-vous d'accord. De mémoire, je crois que c'est plus ou moins illégal, oui, en effet. En tout cas, selon la loi, mon ami Seb Lucas, il s'agit, si je ne me trompe pas, de vandalisme. Et donc puni par la loi. Du moins si tu le colles sur les choses de l'État. Donc 90% de ce que tu peux trouver dehors. Et pour ce qui est des particuliers, ils peuvent. Et pour ce qui est des privés, ils peuvent porter plainte. La loi française, oui, mais la loi belge. Ouais, en Europe, on est relativement d'accord sur les lois quand même. Donc il y a de très grandes chances, je suis pas un spécialiste là-dedans, mais il y a de très grandes chances que ce soit le même cas pour la Belgique. Alors bon, après, ils diront oui, mais je me ferai pas choper. Personne ne voit. Sauf que là, quand même, sur le QR code, il y a ton nom, ton prénom. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Enfin bon, après, tu fais ce que tu veux. Tu es un grand garçon. Tu en assumes les conséquences. Mais oui, n'hésitez pas, avant d'entamer une action, avant de vous dire que c'est une bonne idée, essayez, évitez de faire les choses par vous-même. Demandez avant. Parce que au-delà de ça, après, en tant que communication, je pense que les QR codes, c'est un peu la mauvaise idée. C'est... Tout le monde... Je veux dire... C'est simple. Seb Lucas. Monsieur Seb Lucas. C'est simple. Combien de fois dans ta vie tu as vu un autocollant dans la rue et tu as scanné un QR code? Je pense que j'ai ma réponse assez facilement. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est des mouches. C'est un peu louche. Mais qu'est-ce que c'est? Pour le côté légal, je répondrais à Rox, je m'en fous, je dois faire mon film. Ouais. Tu tuerais quelqu'un pour faire ton film? Tu t'en fous à ce point-là, la loi? J'ai pas de smartphone, c'est drôle, hein. Je connais des applis, mais j'en utilise pas. Ah! Bon. Bon, bah déjà, je dirais que c'est une deuxième mauvaise idée, du coup. Bon, je vais vous laisser en parler dans le Discord. Ah. Ça peut être bien si on rencontre un bon objet actif. Genre... Je vais le prendre. C'est risqué, mais je le prends. L'item martyr. Noiracide. Oh putain. Noiracide qui paye 50 000 points de barbe pour que je fasse les experts à Miami.
Yeah! Putain, mais je vais rien voir encore une fois. Yeah! Ok. Au secours. Mais je vois vraiment rien. C'est infernal. Yeah, je récupère une clé. Yes! Et mais le rêve. Mais le rêve qui paye 100 000 pour moi. Oh là là, tout se passait bien jusque là, il y avait un bon ski, mais... Oh là là. Secours. Oh non. Et pourquoi je leur ai donné du pouvoir, mais quel crétin. Ah. 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 Ça va gratter. Bonjour. Oh le pan. Ok, ok. Oh putain. Bienvenue sur le stream. Alors, il y avait un. Du coup, il y a un coffre à clé là. Je vais le prendre. Merde, putain, du coup, j'ai plus de clé. Fuck, j'ai tenté un truc que j'aurais pas dû. Salle secrète. Oh yes. First try du premier coup, j'avais trois choix. Ok. Une bombe pour 3 pièces, c'est pas... Ok. Loi plus 25 000 et doit mettre un masque chirurgical. Ça qu'on aime. Oh putain, non mais sérieux. Le pipe, allez c'est parti. Non. Ok, c'est bon. Bah finalement ils sont pas tous eternal, ça c'est cool. Tu peux arrêter s'il te plaît, c'est chiant là. Voilà. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Les yeux. Non. Je suis trop près. Ok, très bien. Oh, c'est quoi ce splaf qui m'a fait... Putain, ça c'est cool par contre, hein, le fait de voler, c'est... ça le rend assez gratuit quand même. Par contre, j'ai pas un DPS de dingue. Hein. Il met du temps. Ah! Il met du temps, hein. Meurs! 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 Ok. Ok. Meurs, 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 meurs. Ah putain! Le perfect! Et pas de Satan. Fuck! Allez, let's go! Désolé. C'était tentant de voir la totale. Nice. Plus 500 000, il se met en robe. Ah. Non. Oh, 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 déjà l'ennemi de base, je l'aime pas, mais alors lui. Oh, oh. Ah. Ok. Alors ça va. Une touche pour cet ennemi-là, c'est acceptable. Et les yeux dans les yeux. Et la main dans la main. Ah, arrête. Non, je suis sur un trou. Je suis perché. T'as pas le droit. LOL. Allez. Orage. Oh, il y avait un cœur blanc dans un poupe. Ok. Oh merde, putain, j'y pense. J'ai oublié de faire un truc ce week-end. Ah merde. Non, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps. J'oubliais ce bas Grim. Je vais faire des enregistrements. Est-ce que je prends le cœur blanc maintenant? Oh, vas-y, ça fait un bouclier. De toute façon, j'ai beaucoup de cœur bleu, donc si je viens à perdre mon cœur blanc, ça veut dire que je suis tombé sur une vraie grosse salle de merde. Ok, concentration. Attention, ne pas se mettre à droite ou à gauche du bonhomme vert si on vole pas. Donc là, c'est vrai que si je vole comme ça, pas trop à craindre. Sauf pour ces boules. Attention, voilà, pour ça. Ah ok. Aïe! Putain! Putain, le jinx quoi. Chaque fois que j'ouvre ma gueule, je m'en prends plein. Hein. Ah! Je le prends comme ça si je tombe sur une salle de merde. Bam, salle de merde.
Ok. Ah, attention. Voilà, tant que je suis à cette distance là, ça va. Ok. Est-ce que je veux bien un peu plus de DPS? Je dirais pas non. Et là, la right hand, ok. Left hand. Et je le vois demain, Esba. Parce que je serai dans son pays. Ah. Il est encore dans un autre pays, Esba, que toi? Putain. C'est beau, hein. C'est beau, quand même. Ils viennent de partout. Ils viennent de partout, ces viewers. Ah! Ok. Luxembourg. Waouh, d'accord. Les Luxembourgeois. Attention, le blanc. Ok, c'est bon. T'as placé un blanc au milieu de tous ces blobs noirs, c'est, enfin, c'est... c'est pire. C'est le pire. Ok. Bon, c'est bon. Finalement, ça se passe plutôt bien. Voilà, je vais buter cette mouche blanche-là, comme ça je vais pouvoir passer au centre. 2, 3, 4... Il faut 5 coups pour buter une mouche blanche. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, boum. Au pire, je fais ça. Oh, putain. Voilà, et salut. Voilà. Donc ça, c'est une salle où... Ah, il faut que je sois... Si j'ai un devil deal... Putain, merde, je suis con. Ah, putain, mais j'ai pas mis le... Oh, j'ai pas mis le minuteur. Ça fait combien de temps? Oh, on va dire que ça fait 5 minutes, non? Au pif. Merde. Ah non, je vais pas garder ça ad vitam aeternam. Ok. Alors. Oh. 1 minute. Oui. Moi pour un con. Ok, 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 ok. Cette salle, elle est pas dure quand on vole. Putain, mais c'est vrai que de voler, c'est vraiment la vie, hein. J'ai une clé, je vais aller au shop. Oh, oh l'enfoiré. Vas-y, je vais au shop. J'ai eu raison de prendre l'item martyr. Paf. Le Book of Revelation. À chaque fois que je me ferai toucher à partir de maintenant, je gagne des charges pour mon objet. Du coup, à chaque fois que je me ferai toucher, je gagnerai des charges pour gagner un cœur bleu. Nickel. Bon, Acide, j'aurais bien cette tête-là dans le hut de Doudou. Qui regardait autour. Yes. Ok, j'ai une clé pour ouvrir un coffre potentiellement. J'aimerais bien garder une clé quand même sur moi pour les tâches suivantes pour le shop quand même. Ok. Meurs. Yes. Parce que Noir Acide a posté plus haut. Ah, la photo? Le lien? Putain. Ok. C'est là que je m'aperçois... C'est là que je m'aperçois qu'il faudrait quand même que... Que je change un peu de passion. C'est mauvais, hein. Au secours. J'ai mal à mon moi. Alors, il y a l'arcade. je sais pas pourquoi j'y suis. Attendez, c'est le même système que Rebirth. J'imagine que si je touche le machin là, c'est le cœur blanc qui va prendre en premier. Je vais. Non, mais je vais rien prendre. Je sais même pas pourquoi j'ai dépensé une pièce pour ça. J'aurais pas dû en fait. Cette image est parfaite pour l'icône perruque. Ah, mais il y a les lunettes avec. Va voir. Boss. Oui. Oui, d'accord. Bon, heureusement, là, je vole. Putain, il me vise, en plus. Hein. Tiens, vise les petits machins. Voilà. Putain, mais il est ultra résistant. Il est ultra résistant ou c'est moi qui fais zéro dégâts tout à l'heure?
c'est que je mise à côté. Putain, faut vraiment se concentrer sur lui en fait. Ok, 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 je m'en souvenais plus. Ok, ok. Ok, je vais faire dépoper les machins. Voilà, s'il y a plus que des mouches, ça me va. Ah, merde. Ok. Voilà, hop, je gagne un cœur bleu. Ah putain, je croyais qu'il allait repasser par le haut. Par contre, je gagne que une charge, ça c'est chiant. Ok. Oh, il craignait les explosions. Oh là là là, ok. Sinon, tu fais un package 125 000 pour la totale. Non. Non. Non, mais attends. Je suis con, mais pas mazo à ce point-là, quand même. Ok. Cœur blanc. Bah, ça change rien. Et j'ai pas de Devil Deal, du coup, je peux pas aller dans la salle en haut. J'ai une clé, est-ce que j'ouvre le coffre? Ouais, je vais ouvrir le coffre, parce qu'il y a quand même potentiellement un objet. J'ouvre le coffre. Merde. Bon, c'est déjà ça. Ah, ça chatouille de ouf. Comment vous faites pour avoir des cheveux, les gens? Ah, c'est insupportable. Voyage, voyage! Alors. le shop. Ah non, c'est une librairie! Oh bah j'en ai pas besoin. Bah, éventuellement. Hop, non, même pas en fait. En fait, je cherche rien de plus que le Book of Revelation en fait. Pour moi, c'est l'item qui est bien. C'est l'item parfait avec mon stuff. Bon, par contre, le Cube of Meat, ce qui est cool, c'est qu'il me donne un petit peu plus de dégâts. Quoi. Putain, on dirait Rayman. Hein? Ok, je le garde de côté, lui. Putain. Ah, putain, la mouche blanche. Esquiver de peu. Ah, putain. Bon, bah, cette fois-ci, elle est pas esquivée. Ok, c'est bon. Une clé, yes. Parce qu'avoir des cheveux, ça empêche de gratter quand on met une perruque par-dessus. Oh. Ouais, mais moi, ça me gratte là, ça me gratte le visage. Plus qu'autre chose. Oh merde. Ah, j'aime pas quand il se déplace sur les bords. Yes. Ok, 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 ok. Putain, combien de touches pour mourir? Ok, c'est bon. Putain, mais je perds les cheveux de la perruque. Secours, ça me chatouille. Que faire? Quand les poils puent, il faut les raser. Mais quand on se rase, on pue beaucoup plus. Que faire? Ah bon? T'es bizarre comme garçon, toi. Ça m'arrive pas. Enfin, moi, je pue tout court, moi. Je pue autant avec que sans. Enfin, peut-être moins quand même sans. Faut l'avouer. Meurs. Voilà, ok. Déjà. Ok, c'est bon. Les pierres sont tombées. L'autre, il est loin. Je peux le gérer de loin. Ok, c'est bon. Ah, je crois qu'il y avait une montre là. Ok. Bon, allez, on va dire que pour l'occasion, quand il y a combo lunettes plus perruque, je garde les deux 30 minutes.
Voilà, c'est votre petit, c'est votre bonus. Ok. Voilà. Parce que comme ça, je peux râler sur les lunettes et ça me fait oublier que ça gratte. Vous voyez ? C'est un genre de compromis malsain. Là, il y a le shop, par contre. Le shop, je vais y aller. Ah, je vais me taper un grid ou un truc comme ça. Ah non. Ah, l'échelle me sert à rien. Bah, je rembourse ma clé. Enfin, je reprends ma clé. Quoi. Rembourser que dalle, mais je reprends ma clé. Lui, suis. Je préfère limite que tout le monde me suive plutôt que du random comme ça. Voilà, si vous me comprenez pas, jouez à Citrouille. Vous comprendrez que la RNG, ça peut vous... Voilà, la soi-disant RNG peut faire très mal. Et peut être plus chiante qu'autre chose. Vite. Ok. Oh, merci le mythe. Ah! Je teinte. Une clé, ça valait le coup. Ok, calmez-vous le cul. Arrêtez de vous battre. Merde, je l'avais pas vu en haut. Putain de lunettes de merde. Oh la vache, ce qu'ils sont rapides, c'est fou. Ok. Putain, mais quand je vais retourner sur Rebirth, mais ça va être la gratuitance, hein. Ok. Je vais me sentir mal de le poutrer, quoi, le jeu. Ok. Viens là. Voilà. Ça veut donner... Hein ? Ça veut donner lieu à des complots, ça ? Comment ça ? Ah oui non putain c'est lui. Non, parce que je suis gêné par les mouches blanches bordel. Vas-y je pense que je peux. Voilà. Dès que j'aurai un côté ça ira déjà beaucoup mieux. Ah mais quel mauvais. Ah mais c'est pour ça que je fais aussi peu de dégâts, j'ai perdu mon Meat Boy. Putain. J'ai perdu mon Meat Boy. Voilà, mon morceau de viande est mort contre une mouche. Putain. Ok. J'ai 7 bombes. Waouh. Non. Où ça peut être? Là. Non. Là. Coucou! C'est la soirée Tixi Polnareff. Holidays, oh, holidays. The view is so... Lucien. C'est une poupée. Ah putain, j'étais trop près. Ah. Oh. 2 dimes. Ah ça c'est cool ça par contre. Il peut mourir le Meat Boy? Bah dans le normal oui. Dans l'ancienne version oui. Tu peux perdre ton Meat Boy dans ce jeu? Oui. En fait, tu le perds pendant un écran, en fait. C'est-à-dire que dans le Rebirth, il te protège non-stop. Mais dans le classique, comme ça, c'est à chaque fois qu'il touche un ennemi,
il perd des points de vie, donc je crois qu'il peut se faire toucher une fois ou deux fois, un truc comme ça. Non. Non. Il faut y aller petit à petit. Il faut les buter un à un en se concentrant sur un. Voilà. Tiens, viens là, toi. L'autre, là, le blanc. Là. Voilà. Oh, putain. Oh, putain, mais il peut passer au-dessus. Putain. Ah putain! Ah là, j'ai perdu mon mythe. Ah putain, mais c'est pas possible! Ah, cette salle de merde! Ah, c'est ouf! Putain, heureusement, j'ai le vol. Hein. Par contre, le dégât n'est pas là. Hein. Ok. Ah putain, allez, touche-le! Touche-le! Ok. Ceux qui met Grimdown, je me suis dit, oui. Seulement pour troller. Ah! Ah mais c'était un troll! Ah mais moi je l'avais laissé moi. Oh vas-y je l'enlève alors. Tant pis. Il y aura pas de Grimdown. Paf. Tac. Il est où? Mais je l'avais enlevé. Ah mais je l'ai enlevé je crois en plus. Ah ok je l'avais enlevé. Je l'avais enlevé parce que je me dis qu'au final je le ferai pas. Ok. Ouais en ce moment il y a les soldes de GOG. Il y a les soldes de Team 17 et de... Merde, je sais plus quel autre développeur de jeux bien en ce moment sur Steam aussi. Non, je m'en doutais que j'allais en prendre une. Yes. Oh putain, j'ai trouvé le... Oh putain, j'ai trouvé le bug. Lol. Ok, je vais reprendre le cœur rouge que j'ai fait en arrière. C'est un très bon hack and slash si tu... quand tu as vu toi, ok. Hein, pourquoi il y a marqué cœur ici? Ah, c'est un cœur blanc. Je vais prendre les cœurs bleus, les coffres. Il y a FTL à 2,29€ aussi. Ah! Yes, FTL, ça c'est le jeu de la... C'est le jeu de la vie, ça. Jouer à FTL pour changer de vie. Pour ne plus avoir de vie, en fait, plutôt. Tellement bon, ce jeu FTL. J'ai fouasse. Dans l'œil. Je suis à Necropolis 1. J'ai une... Ouais, vas-y. Je suis pas... Oh là là. Oh là là. Le call. Le bon call. Allez, vas-y. Je vais en garder 30. Bring him the photo. Alors, bring him the photo. Ah oui, c'est vrai que... The world. Je vais garder the world pour... Question authority. Je vais garder the world pour... Utero. Comment ça se passe? Go outside. Sors de chez toi. Feu! À quoi que de devant? Hein? Bon, là, si je vais, vas-y, je vais garder le devant. Putain, c'est long! Putain, heureusement qu'ils l'ont amélioré dans le Rebirth, hein? Putain! Ok, je m'en branle. Ouais, en effet. Allez! Ok. Mouah. Putain, il m'a donné qu'un cœur bleu!
Sauf si c'est un hiérophante en bas, ça serait pas mal. Ok. The World. Temperance. Dégage. Wheel of Fortune. Temperance. De toute façon, je peux pas les bomber tous en même temps. Là, c'est dégueulasse de pouvoir en bomber qu'une seule à la fois. Je vais garder des devos. Vas-y, je vais tenter ça aussi. Ami pour la vie. Ok, cassos. Allez, on fait le boss. Ah non, il y a encore une salle là-haut. Je suis désolé, je fais ça un peu à 100%, je sais pas pourquoi. Papy gâteau! Salut papy! Comment vas-tu? C'est une poule. Il fait... C'était vraiment une chanson de merde. Ah putain, je t'ai coincé dans le mec! Au centre. Je garde le blanc à distance, il fait très très mal. Surtout quand il tire des boulettes homing explosives. Ok, c'est bon. Ah, une clé. Ça me va. Allez, boss! Oh yes! On va voir un Meat Boy! J'utilise le démon. Comme ça, j'irai rechercher une carte après. Quoi? Oh putain! Je l'avais confondu! Je l'ai confondu avec mon mythe! Putain. Non! Faut pas que je sois sur les côtés avec lui. Ah putain! C'est dégueulasse! Non! Putain! Voilà, alors là maintenant pour arriver à faire ça avec un cœur, bonjour. Putain, je vais être obligé de dépenser le cœur blanc, hein. J'ai pas le choix. Putain, fais chier. C'est la merde. Ouais, j'ai pas trop le choix. Hein. Je viendrai le récupérer l'autre après, mais j'ai pas trop le choix. Hein. F. Fuck. Ok. Re. Ouais. Hein. Ça sent la merde. Hein. J'ai pas trop le choix. Allez, dépêche-toi. Non! Oh bah oui, lol! Ok, ils peuvent mourir avec ça. Attention s'il fait un quad shot. Oh putain! Lol. En plus, le Meatbot fait pas autant de dégâts que dans Rebirth. Quand on touche un ennemi avec. Ok. LOL. Ok. Putain, il a failli me toucher. Non. Je crois qu'il peut pas le faire, hein, sur les cailloux. Hein. J'ai l'impression que non. Vas-y, tue-le.
Je peux pas partir de là. Je suis bloqué. Ok. Non. Ouh. Ah putain. Tu le... Yes. Oh la vache, j'ai réussi. Alors parce qu'en vrai, avec un Meat Boy, il était facile ce boss. GG, merci. Oh. F en anglais, c'est genre press F to respect. C'est dans un vieux jeu. Ah, c'est lequel? Ça me dit quelque chose, mais je me souviens pas. Bravo Al, merci. Ok. Donc, cœur blanc. Au moins, on aura gagné un cœur, c'est déjà ça. Et, oui, je vais récupérer mon truc. Putain, oui. Ah, il faut que j'aille le récupérer, parce que je peux pas faire sans. Hein. Oh. Oh mon dieu, j'ai cru que j'étais mort. Scu. Alors, je vais récupérer mon livre des révélations. Putain, il me reste encore 5 minutes à supporter cette perruque et ces lunettes. Au secours. Il fait chaud sous ma tête. Ah, alors, je me suis dit, est-ce que je vais le redire ou pas pour la, sans doute, 26e fois depuis le début de ce 100%. Il n'y a pas la transformation Bookworm. Ça sert à rien que je touche 3 livres. Voilà. Imprimez-le. Gardez-le en tête. Il n'y a pas Bookworm. Je crois qu'en plus, tu m'as déjà posé la question, Roxane. Blue Baby, alors. Il y a Blue Baby, mais on l'a pas encore. Oh yes. Oh là là. Moi, j'ai envie de dire, c'est l'instant biscuit. C'est l'instant biscuit. Ça va être putain de long. Oh. Yes. Yes. Non. Putain. Putain, je tire les petits pour éviter que Meat Boy en soit aggro, mais... J'ai aggro de Meat Boy, mais putain, c'est... J'en fais pour peu tout le temps. T'es chien. Meurs. Ok, c'est bon. Ouh. Qu'est-ce que... Oh, merde. Oh, tiens, il y a une autre bibliothèque, là-haut. Ok. Non. Oh, putain. Oh, putain, vite. Ok. Vas-y, Meat Boy. Montre-nous ton... Ok, c'est bon. Oh là là. Putain, mais c'est bon là. Ah, mais s'il fait popper ça, ça va être plus facile pour moi. Hey, t'es gratuit, t'es resté dans un coin. Allez, vas-y, Meat. Le Meat Boy est en viande, mais son IA est aux fraises. C'est pas faux. Ah, allez, Meat Boy. Ah, bah voilà, là, Meat Boy, il blesse. Parfait. Tac, très bien. Putain, il me faut des clés. Hein. Oh putain, ce qu'il me faut. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là, oh là là, oh là là.
Oh là là! Merci, Meat Boy! Ok. C'est tendu, hein. C'est ultra tendu, hein. Comme quoi, challenge facile, challenge facile. Pas sûr, pas sûr. Hein. Mine de rien, on est quand même privé des salles de coffre. Putain, mais alors le puriste, ça va être une horreur. Avec cette difficulté-là, le puriste, ça va être infâme. Okay, cool. Ok, cool. Putain, je peux pas aller au shop. Donne-moi une clé. Merde. En vrai, j'aurais dû le garder, mais... J'ai tout dépensé au shop. Oh, et là, au shop, il va me donner Grid. Et je vais être fâché. Il va me donner Ultra Grid Eternal. Bon, après, en vrai, ça va, s'il me donne ça... C'est pas la fin du monde parce que j'ai des vies. Mais ça va quand même bien me saouler. Encore ! Putain ! T'occupe pas d'eux ! Occupe-toi de lui ! Là, ce qu'il me faudrait, à la limite, c'est un autre cavalier de l'apocalypse. Comme ça, j'aurai les 4 Meat Boy. Et ça serait cool. Hop là. Tue-le. Ok. Non mais putain. Allez, vas-y, tue les restants, là. Donnez-moi des clés, s'il vous plaît. Oh lol, hop, oh, comment il est gratuit avec la Meat Boy, lui. S'il s'arrête tout le temps. Oh bah tiens, là, tu peux pas venir ici. Poser une bombe là. Là, ici, là. Voilà. T'as calme-toi. Plusieurs bombes, donc. Ok. Ah oui, c'est vrai que lui il va vite quand il me voit. Ok. Meurs. Vas-y, Meat. Yeah. C'est nul ça. Alors, le cœur blanc c'est bien. C'est nul. Ah putain, je suis obligé de prendre le cœur blanc parce que je suis obligé de prendre le cœur blanc parce qu'il y a... C'est mom après. Yes. Moi une clé, je t'en prie. Pop shots in the head. Je m'en fous. Ah. Ah. Bon. Bah, je vais prendre le... Ah bah tiens, bah je vais dépenser... Bah vas-y, on va faire un peu de... Gambling. Yes. Bah voilà, cool. Non, on touche pas les... Ouais. Qu'est-ce qu'il y a au shop? Déjà, ça, c'est assez cool. Ok. Il y a une clé en solde. Il y a une bombe. Bah, je prends tout, hein. La boussole. Vas-y, hein. Et le reste, je vais dépenser ça dans les coffres. Et en gambling. Hop, une clé, très bien. Un autre coffre. Très bien. C'est cool, j'ai tout ce qu'il me faut à chaque fois pour ouvrir les coffres. Voilà. Ok, on va ouvrir les coffres. Je vais aller voir ce qu'il y a dans la salle de pique là à droite. Je vais dépenser mon dernier argent et après on est bon. Ça sert à rien que j'aille là-dedans. Y a rien de mieux que je ne puisse avoir. Oh.
J'ai gagné donc 3 cœurs bleus et demi. Putain, c'est bon ça. Oh là là, 33 minutes. Et vous m'avez rien dit. Je me demande pourquoi. Ah, ma tête. Ah, ça fait du bien. Ah. Ah, j'ai... Ah, putain. Ah, si vous pouviez éviter la perruque en été, ça m'arrangerait. Fait chaud. Ah, je vois clair. Ok. Dites-vous que j'avais un curse of darkness constant, hein, jusque-là. Bon. Mouche. Je vais tout dépenser, hein. Parce qu'il n'y a plus rien après. Dis-toi que c'est... Que ça fait frais quand tu retires. Ah bah oui, je te le confirme, oui. Ça fait frais quand je le retire. Hein. Ça fait du bien. Hein. Ouais, sauf que pour profiter du frais, il faut que... Faut que je me chauffe, faut que je me crame le crâne pendant 30 minutes. Alors. Bah, mom. Hein. Ah non, cœur blanc, puis mom. Allez, let's go. Isaac! J'ai perdu mon mid. Ah non. Non, c'est vrai, il était pas sur moi. Il est coincé là-haut! Oh les grosses IA, quoi, les grosses IA. Puis en plus je fais zéro dégâts. Oh là 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 là. Lol. Meurs toi. J'avais oublié, putain, mais qu'Isaac il buguait sur Mom quoi. Non. Ok. Putain, heureusement que j'ai eu tous ces cœurs bleus à la salle de pique. Ok, le pied de maman fait des dégâts, même quand il a fait son animation. Ok, cœur bleu. Ok. Yes. Des dommages de plus par le... Ah. Par Isaac, j'avais pas vu. Ok, bah ça va, c'est dosé. Putain, mais j'ai pas eu Satan, j'ai pas Satan. Son Goku. On descend. Ok. Allez. Une salle de pique à droite. Ça me tente. Ah, mais je perdrais un cœur, ah, c'est chaud. Ouais. Vas-y, je vais tenter. Ah! Vas-y, on sait jamais. Parce qu'on sait jamais! Non, c'est l'autre cœur que je voulais. C'est un Goku. Speed up! Toujours ça de prix. Mais pas trop quand même. Pas plus là. Speed up, là c'est bon, je suis à une bonne vitesse. Si je pouvais ne pas avoir plus, ce serait bien. C'est un Goku. Un Tixi Vegeta, le fantasme de Roxu. Au secours. Je casserai pas mes lunettes, hein. Oh non, je veux une vraie mouche. Ah, ça en vrai c'est bien, parce que à chaque fois que je vais récupérer une pièce, j'aurai une chance sur deux de faire popper une clé. Ok, allez vas-y, occupe-toi des cœurs. Yes. Ouais. Ah. Oh putain, doucement. Ah, cette salle-là dans Rebirth, elle est plus simple. Hein.
Bien joué. Vas-y, Meat. Bien joué. Ok. Bon. Ça va qu'il n'y a aucun ennemi éternel parce que là, ça aurait été vraiment la misère du cul. Merde. Super cœur bleu. Sangoku. Ah. Ah. Farina de flèche. Bon. Y'a quoi? Ah. Y'a Assassin's Creed ici. Ok, une clé. Je prends. Je vais sortir avec une bombe là parce que sinon ça va être trop tendu. Ok. Je prends pas le cœur blanc. C'est trop facile de le perdre maintenant. Surtout qu'on a eu Tero 1, donc ça va pas être la. Voilà, c'est pas la fin encore. Ah putain, il a vraiment beaucoup de vie. Ah. Vas-y, Meat, vas-y, Meat. Oh, c'est un Eternal. Vas-y, Meat. Mais non, lui, pas lui. Connard. Le cœur, pas le visage. C'est le crétin. Je crois qu'il fait la même chose dans Rebirth, des fois. Le cœur. Ok, bon, lol. Ah, ça y est. Ah. Putain, voilà ce qui t'arrive à cause de tes conneries. Oh, putain, il était dessus. Ok. Cœur bleu. Ah, le noir. Le noir. Le vert noir. Explose. Vas-y, voilà, c'est bon. Putain, y'a beaucoup de vie, hein. Collis. Collis. Ah. Ah. Hop, mais en plus. Ok. Merci speed up. Viens là, voilà. Hop, tac, il est dans la mouche. Ok, c'est bon. Ok. Une fois qu'on a passé la moitié de, de sa barre de vie, il est quand même vachement vachement simple à battre. Pourquoi il y a des cartes en haut? Je les ai pas récupérées. C'est quoi comme carte? Si je peux avoir mieux qu'un de. Ah non, c'est les trinkets. Eh ben, let's go, boss. C'est quoi, Loki? Oh, on va avoir le meilleur B-Boy. Ah, oh, et c'est un normal. Ok, parfait. C'est vrai que comme il bouge pas avec Meat, c'est un peu gratuit, quand même. Pas gratuit. Ça reste le plus puissant des cavaliers. Pourquoi j'ai fait 3 tirs, d'un coup? Oh, putain, comme avec, avec l'animation du sablier, il a gardé en tête... que j'avais le bouton appuyé sur les tirs. Aïe. Lol. Meurs, 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 voilà. Yes. Et il y a Satan. Le bandage est apparu. Et paf, le gros Meat Boy. Qu'est-ce qu'on a? Bon alors malheureusement je vais devoir tout dépenser. Oh c'est parfait, c'est genre parfait. Guppy. On est Guppy. On est Guppy. Guppy Zerbol. Guppy. On est Guppy. Ok. Je vais garder la Guppy Spo parce que comme ça, ça permet d'avoir potentiellement
Je peux dépenser mes réceptacles en cas de danger. En plus, je peux les dépenser pour devenir pute de Babylone et avoir plus de dégâts. Là, du coup, en dégâts, on est bien, là. Ouais. Et ben voilà. Pourquoi t'as pas gardé le book? T'es en manque de cœur, mec. Ouais, mais avec les cœurs éternels, je gagne souvent des réceptacles. Donc je peux les dépenser. Oh. C'est tentant. C'est super tentant. Donc en vrai, je préfère garder la guppy spo. Puis en plus, ça me permet de baisser mes cœurs rouges et de rester constamment en mode pute de Babylone, donc de faire plus de dégâts. Et ça me fait un panic button aussi. Oh la vache! Deux Eternals dans cette salle. Putain la vache. Heureusement qu'on a le stuff maintenant. Ok. Et il m'a pas droppé un seul cœur bleu. Pas vite. Ouh. Oh, il explose en plus. Okay. Alors qu'est-ce qu'il me propose? Sépulcre. Je crois que je l'ai jamais encore ramassé. Peut-être le tenter en vrai. Et je vais le tenter. Parce que j'ai quand même un sacré DPS. Donc en vrai, ce serait pas déconnant. Putain la vache! Ah mais les bombes qui tapent entre elles, c'est génial hein! Ok, cœur blanc. Cœur blanc. Est-ce que je le prends maintenant, le cœur blanc? Est-ce que j'attends? Ah vas-y, je vais attendre, comme ça à la limite, je re-rentrerai dans la salle si je meurs. Deux cœurs blancs! Merde, 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 merde! Vache! Ok. La musique qui reste. Ok, bon. C'est pas trop grave. Je vais voilà. Tiens, voilà. Pinky Eye! J'ai plus besoin de clés en vrai. J'en ai assez, je pense. Hein. Je vais aller voir là-bas. 13 combien de vie? On va se marquer là-bas. Oh, mais attends, je suis tout petit! Pardon. Il me reste 6 vies. Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'arcade? De la merde, comme d'habitude. Tac, je vais... Je vais... Ouais, c'est mon nombre de vies, il est marqué à tout à droite. Oh oui, c'est minuscule. Oh bah non. Ah bon? Bah il est aussi gros chez vous que chez moi, hein. Moi je le vois bien. Ah, peut-être que t'es pas sur ordinateur en plein écran. Peut-être pour ça. Ah. Qu'est-ce que c'est? Bombzarki. Ah. Chose donc. Petit scatole? Petit scatole. Allez, un petit scatole. Deux clés. Plus de chance. Je sais pas à quoi pourrait me servir un scatole, mais pourquoi pas un petit scatole. Moi, je vous laisse. Je pars en excursion bouffe. Mais tard peut-être. Ça marche. Des bisous, mes loups. Salut. Ok. Bon bah salut. Et moi aussi salut. Tac. Je vais quand même utiliser ma guppy spo. Ça me fait deux cœurs au lieu d'un quand même. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là.
Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, amis pour la vie! Des mûches! Des mûches! Oh, c'est... Ok. Ah! Voilà. Oh merde. Bon, c'est pas trop grave, on est à la fin, il n'y a plus vraiment besoin de luck. Il n'y a pas de rochers marqués. Hein. J'ai l'impression qu'on les voit pas, les rochers marqués en terreau. Hein. Ok, bon bah lol, c'est parti. Je doute un peu de ma réussite potentielle, mais... Putain, il s'occupe de Mom. Occupe-toi des yeux d'abord. Ok, c'est bon, c'est des ennemis intéressants. C'est bon! Et voilà, c'est la victoire! Ah! Je suis content! Ah, mais c'est un défi! Je l'appelle à bébé! Oh yes! Money gives power! Ah bah voilà! Très bien ça! Ok! Eh ben écoutez, on a quand même débloqué pas mal de trucs, là. 50! On a bientôt fait la moitié. 50! Incroyable! Il est où? La boss continue. Oh putain, j'arrive pas à le trouver. Il est où? Les autres, ah! Il est où, lui? Il est là. Secret Isaac. 50! Et un challenge de terminé en plus. Paf! 6 challenges de fini sur 10. Quasi terminé. On a fait plus de la moitié en challenge. C'est bien. Et 8 fins. Ben voilà. Ça avance. Ça avance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Du coup, YouTube, ça s'arrête là pour toi. J'espère que tu as kiffé cet épisode. C'est le cas, évidemment. Tu mets un pouce, je te fais un doigt, je te fais plein de bisous. Je te dis à la prochaine. Ciao.